Pour cette dernière partie de notre projet du livre à aiguille en broderie, on va terminer la page intérieure de notre livre en faisant les roses trémières ici, en brodant les roses trémières, en ajoutant un petit peu de couleur, un petit peu de vie dans notre pelouse, en faisant nos petites abeilles et puis finalement en montant notre livre, en mettant nos petits carrés de feutrine pour insérer nos aiguilles et en faisant la couture de tout notre livre. Donc c'est parti pour la broderie et en prenant bien sûr le stock habituel. Si vous suivez pour la première fois cette partie du livre à aiguilles, je vous invite à retourner à la première partie où je vous fais la liste du matériel nécessaire, mais aussi de suivre la deuxième partie qui vous permet d'apprendre quelques points et de broder l'intérieur du livre. Donc voilà, c'est parti aujourd'hui pour nos roses trémières. Avant de commencer à broder, je voudrais faire le point sur les aiguilles puisque la question m'a été posée. Alors, pour broder dans n'importe quelle toile, je dirais des toiles fines, moi je vous conseille de prendre le numéro 18 dans les aiguilles à broder. C'est ce qui passe partout. Mais tout dépend ce que vous allez broder aussi et du point que vous allez utiliser. Et du nombre de brins, bien sûr. Si vous utilisez des brins, 6 brins par exemple, dans un fil DMC par exemple, vous avez 6 brins, voilà. Si vous prenez les 6 brins, bien sûr, il va falloir une grosse aiguille. Cette aiguille, elle est bien pratique parce que quand vous allez faire par exemple des nœuds à la française, ou beaucoup de feuilles, ou des choses comme ça, avec beaucoup de brins de fil, eh bien, ça va être pratique puisque vous allez avoir un bon maintien et vous pouvez passer plusieurs fils dans le chat. Mais vous avez aussi des aiguilles plus fines, et c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire nos fleurs de rose trémière, puisque ça va être un petit peu plus délicat. Eh bien, on va prendre soit une aiguille fine avec un chat large pour pouvoir passer nos fils, si on met 3 brins et plus, et si on met 2 ou 1 brin, on va prendre une aiguille fine aussi, longue et pointue, pour pouvoir passer facilement nos brins, mais que notre travail soit assez fin. Donc, peu importe, sentez-vous à l'aise. Moi, je vous dis 15, 16, 18, 20, c'est le maximum de chiffres d'aiguilles qu'on peut prendre. Et après, si vous avez des grosses aiguilles, tout dépend de votre toile. Si c'est une toile épaisse, allez-y avec une grosse aiguille, évidemment. Mais voilà, ça c'est le petit point sur les aiguilles que je voulais faire pour vous montrer un petit peu la différence entre les aiguilles. La dernière fois, il me semble que j'ai pris la grande aiguille et la plus fine. On va prendre aujourd'hui les plus fines. Voilà. S'agissant des roses trémières, vous avez toutes les couleurs. Vous avez du jaune, vous avez du bordeaux, vous avez du blanc, du rose pâle. Ça peut même aller jusqu'au noir. Dans les couleurs de ces roses trémières, vous avez des feuilles qui sont, des fleurs qui sont simples, des fleurs doubles, pardon. Donc vous avez vraiment de tout, et c'est ça qui est chouette parce que vous pouvez choisir vraiment vos couleurs. Aujourd'hui, on va partir avec une couleur, encore une fois, DMC, et aujourd'hui je vais utiliser du rouge qui tire sur le fuchsia pour vraiment faire un beau contraste et mettre un peu de joie dans cette petite broderie. Donc, c'est parti, je vous montre. Alors, on va commencer les fleurs. Donc, vous avez en bas les feuilles. Et on va commencer les fleurs à partir d'ici, puisque vous savez, ça prend bas les fleurs. Et puis, ça monte tout le long de la tige. Encore une fleur grimpante. Donc, ce que vous avez ici, vous avez le petit rond qui représente normalement l'emplacement de votre fleur. Vous venez piquer au centre de cette petite... emplacement, ce petit emplacement, et vous allez faire 5 brins, un peu comme si vous faisiez les aiguilles d'une montre. Vous faites 5 brins, comme ça. Donc voilà, 1. Peu importe la disposition, l'essentiel c'est d'avoir 5 brins. Vous essayez de faire un petit peu des portions égales, un petit peu comme quand on fait des fromages à l'école, quand on apprend les proportionnalités. Voilà, vous venez placer vos 5 brins. Et un cinquième, n'hésitez pas à dépasser du rond. De toute façon, c'est de la toile plastique qui va fondre.
ça se verra pas. Voilà, une fois que vous avez vos 5 brins, le principe, c'est de tourner à l'intérieur tout autour pour faire comme une rose. Donc vous allez venir piquer votre aiguille, vous allez ressortir votre aiguille près du centre. Hop. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer en dessous du premier. Hop. Vous tirez votre fil. Vous passez au-dessus du suivant. En dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, et ainsi de suite, tout en tirant bien sur le fil pour bien le centrer. Hop. Donc le prochain, je passe par-dessus et l'autre, je passe par en dessous. Faites attention. Hop, à vous prendre. Et voilà, et vous tournez ainsi de suite. Donc là, je suis en dessous, ici c'est par le dessus, là ça sera en dessous. Hop, je viens tirer mon fil et ça va vous faire un rond qui ressemble à une rose. Vous continuez jusqu'à ce que vous n'ayez plus de place. Et voilà ce que c'est supposé vous donner, cette fleur en relief qui ressemble à une rose. On en fait une ensemble. Comme ça, ça vous montrera vraiment la technique. Mais tout simplement, en fait, il faut tourner en passant au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Allez, on la fait ensemble. Donc là, je commence en passant dessous. Alors voilà, on a fait quelques fleurs de rose trémière, mais bien sûr on ne peut pas faire les plus petites ici, bien sûr c'est trop petit pour tourner, ou vraiment ça fait des toutes petites fleurs, donc soit vous continuez à faire des toutes petites fleurs comme ça ici, ou alors tout simplement, ce qu'on va faire pour représenter les petits boutons de rose trémière, eh bien c'est de faire encore une fois des nœuds à la française.
tout simplement. Donc toujours en trois fils, on vient piquer au centre de l'emplacement et là on va faire 4 tours et on va piquer, hop, tout simplement on va faire de chaque côté des nœuds à la française en variant le nombre de tours. Donc tout à l'heure j'ai fait 4 tours, là je vais en faire 6, et plus on fera de tours et plus notre fleur sera épaisse. Allez, on va en faire une deuxième à côté. Hop. On va la faire très épaisse. 3, 4, 6, 7 et 8 tours. Hop, on vient piquer à côté. Et voilà. On a un petit nœud qui se replie. C'est hop, impeccable. On continue. 3, 4. Hop. Et on fait ça jusqu'en haut de la fleur. Maintenant qu'on a fait nos grosses fleurs, on va faire la tige et on va faire les boutons qui ne sont pas encore ouverts. Les boutons sont toujours verts avant de s'ouvrir et pouf, laisser sortir la fleur. Donc pour commencer, on va faire la tige et la tige, on va la partir bien sûr d'en bas. Tout simplement avec deux brins d'un vert assez pâle, on va venir piquer. Et on va faire des grands espaces, parce que je vais vous montrer, on va venir piquer au centre. Donc on prend quand même de l'espace, voilà, et on essaie, alors je vais me rapprocher, on essaie de piquer au milieu des deux brins. Voilà. Et on tire, et ça va faire comme une chaînette. On recommence l'opération. On vient maintenir le fil pour piquer au centre. C'est un petit peu délicat, mais c'est chouette à faire. Voilà. Hop. Et on monte tout le long comme ça. Tout le long de notre tige. Pour faire ce petit point de chaînette tout fin, tout fin. Tout ça en passant au centre des fils. Je vais vous montrer ça de plus près. Vous avez le petit point de chaînette ici. Ça fait une petite chaîne. Voilà. Hop, je pique. Je viens chercher mon aiguille en passant par les deux fils. Hop. Et je continue comme ça jusqu'en haut de la tige. Et arrivé en haut, on fait les boutons.
Voilà, alors c'est parti pour placer nos petits boutons. Vous verrez qu'il n'y a pas l'emplacement défini pour les petits boutons, puisque vous les mettez où vous voulez. Hein, ces petits boutons de fleurs qui ne sont pas encore ouverts, vous les mettez où vous voulez. En général, si on regarde les roses trémières, les boutons, il y en a des encore pas ouverts, tout en haut. Tout simplement, vous venez piquer, et vous repiquez dans la même base, sans lâcher votre fil. Vous ne lâchez pas votre fil. Vous venez repiquer l'aiguille un tout petit peu plus haut et vous passez votre aiguille dans la boucle. Vous maintenez, vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous tirez, vous aidez la boucle à aller jusqu'au bout et là, hop, vous avez une petite bouclette. C'est encore une fois le point de bouclette qui va nous faire nos petits boutons, tout simplement. Allez, je vous en refais de plus près. Faire un autre à côté. Hop, je viens repiquer dans la base. J'ai ma bouclette. Je viens piquer un petit peu au-dessus. Je passe mon aiguille dans la bouclette. Et je tire. Et j'ai ma petite bouclette. Allez, on en fait un petit peu partout de ces petites bouclettes, histoire de dire qu'on a des petits boutons qui vont bientôt fleurir. Hop, et surtout, vous n'oubliez pas de repiquer derrière pour bien maintenir. Alors, ça y est, on a nos petits boutons, on en a assez. Si vous en voulez plus, allez-y, mettez-en plus. Maintenant, on va s'attaquer aux feuilles. Alors, avec la même couleur, pour le moment, on va garder notre fil et on va venir piquer pour faire le centre de la feuille. Donc, on vient tirer tout simplement un trait dans le sens de la feuille qu'on veut. Nous, notre feuille, vous voyez qu'elle est ronde, on la veut de la base jusqu'à la pointe ici, on va imaginer que c'est la pointe, et on va faire partir notre feuille comme ça, un petit peu comme un éventail. Donc là on a notre base, et ensuite
on vient repiquer un petit peu plus large en haut et en bas. Voilà, ça c'est la trame de notre feuille. On va se baser sur cette trame là pour remplir, mais avant toute chose on va faire la trame de l'autre feuille à côté, puisqu'on va changer de couleur pour faire un contraste. Donc la même chose de l'autre côté, on vient, je vais mettre un petit peu plus haut si vous voulez, on vient préparer la trame de notre feuille. Toujours en deux brins. Voilà. Bien, alors avec le fil vert un petit peu plus foncé, vous voyez, on est vraiment dans la même gamme, puisque j'ai choisi le 906, le fil un peu plus clair, pour faire la tige. Et là, je viens chercher un 905, donc on est vraiment dans les mêmes tons, mais légèrement plus foncé, pour faire la feuille. Ça, c'est hyper pratique si vous voulez faire des nuances et que ça ne soit pas trop tranché comme couleur. Vous venez choisir chez DMC les couleurs qui se suivent. Vous êtes sûr que vous êtes dans la même gamme de couleurs, mais légèrement plus foncé. Donc avec 3 brins de ce plus foncé, on revient dans la trame de notre feuille. On revient à la base. Et en fait, on va essayer de remplir le rond de la feuille, tout simplement, en faisant des longs points comme ça. Donc on va commencer en se basant sur la trame de couleur plus claire et on va la laisser apparente. On va faire en sorte qu'elle soit apparente. Et là, vous venez remplir tout simplement en partant toujours de la base, en suivant votre ligne de la courbe du pétale. Hop. Vous allez voir que ça remplit très vite la feuille. Surtout en 3 brins. Voilà. Et là, c'est déjà rempli ce côté. Vous revenez piquer dans votre base du pétale, enfin de la feuille, pardon. Et vous venez repiquer de l'autre côté de la trame un peu plus claire. Attention à ne pas la recouvrir. Vous venez la garder. Aidez-vous les ciseaux. Hop. Vous venez la garder apparente. Légèrement apparente. Voilà. Vous ne faites pas comme moi. On la voit à peine. Voilà. Et vous continuez comme ça, ainsi de suite. En remplissant tout simplement. En partant de la base. Hop. Tellement agréable d'entendre le fil passer à travers là. Le tissu. On a vraiment l'impression de construire quelque chose. Voilà. Encore une fois, on laisse la trame. Si vous avez peur de trop effacer la trame, au lieu de piquer à la base, venez piquer le long de la ligne. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas le repasser dessus. Venez piquer en dessous et là, hop, vous revenez vers la base de la fleur. C'est léger, hein. Ne vous inquiétez pas si vous pensez ne pas voir la différence. C'est très très léger le clair sur le foncé. Mais c'est ce qui fait cette petite nuance vraiment toute subtile, mais qui finalement se remarque. Ça attire vraiment plus la lumière. On a vraiment l'impression d'avoir un petit reflet. Donc hop. Et on fait le remplissage tout simplement comme ça de la feuille. Et ce sera la même chose ici. Ensuite, on va monter, on va faire des petites feuilles, toutes petites feuilles, pour nos petites fleurs qui sont plus hautes. Allez. Je vous laisse finir vos feuilles.
et je vous montre le résultat final après. Ça y est, on a nos grosses feuilles de la base qui sont faites et là vous voyez un petit peu les nuances qui se font grâce à la trame. Ça fait vraiment lumineux et c'est ça que j'aime. Alors, on va faire d'autres feuilles un petit peu sous les fleurs. Vous savez, ça fait un petit peu ces longues... moi, ça me fait penser à des grosses mains, ces feuilles. Donc, on va passer de la même façon. On va venir faire des feuilles. On va partir de la base. Et on va se faire encore à nouveau une trame plus petite cette fois-ci en faisant trois petites lignes comme ça, et le principe c'est de venir remplir entre les deux et celle du centre. Alors les deux d'extrémité, celle du centre, vous allez piquer, au lieu de piquer à la base, venez piquer plutôt à l'extrémité et vous revenez piquer à la base. Si c'est plus facile pour vous de partir comme ça, allez-y, c'est plus simple. Comme ça, vous avez une idée de la grosseur de votre pétale, de votre feuille. Voilà, on remplit tout simplement. C'est pas énorme, énorme. Ça prend quoi? Allez, deux allers-retours, un aller et un retour. Et voilà, on a une feuille. Et on continue comme ça, ainsi de suite, en faisant des feuilles le long de la tige. Hop. On va faire une ici. À nouveau, je tire ma base de ma feuille avec trois lignes. Hop. Ça peut être plus ou moins écarté, tout dépend de la taille que vous voulez donner à vos feuilles. Et là, vous voyez, ici, c'est plus serré. Donc, j'aurai besoin de faire qu'un aller. C'est bien important de revenir par contre au même point de base ici pour vous donner vraiment l'illusion que la feuille vient prendre sa racine le long de la tige. C'est vraiment la sensation d'avoir une vraie feuille quoi. Et voilà, et donc on continue ainsi de suite en faisant des feuilles plus ou moins grosses tout le long de la tige, en espaçant bien sûr tout en haut. Il n'y en a pas beaucoup, donc on va en faire un petit peu ici, puis je vais vous montrer. En haut, ce sera simple, on va faire juste une feuille avec un aller, c'est tout. Plus on arrive vers le haut, et plus les feuilles vont être fines. Donc ce qu'on va faire, au lieu de tirer trois lignes pour notre trame, pour avoir une grande feuille, en fait, ces trois lignes, on va les rapprocher. Alors voilà une. Celle-ci, je vais la serrer. En voilà deux. Et la troisième, toujours en repiquant dans le même point de base. Et voilà, et ça nous fait une petite feuille supplémentaire. Puisque plus on monte et plus les feuilles sont toutes petites. Là ici, en dessous de ces pétales, bien sûr on ne veut pas des grosses feuilles. C'est qu'une toute petite feuille, puis on vient piquer un petit peu plus loin. Et tout simplement... faire un petit trait comme ça, tout simplement en deux points, et voilà. Voilà, c'est bête hein, c'est tout simple, mais alors ça fait toujours son petit effet. Et de 1 et de 2. Et on continue ainsi jusqu'en haut. Et voilà, on a été capable de faire une première rose trémière en partant des fleurs, de la tige et des feuilles. Il nous en reste deux à faire ici. Alors maintenant que vous savez comment faire, à vous de choisir vos couleurs. Moi je vous réserve la surprise, je fais ça et je vous montre tout de suite après le résultat. En tous les cas, ça fait vraiment vraiment l'effet de la rose trémière, et plus on agrandit, plus on voit l'effet des roses. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est ajouter une petite base dans le centre si on veut
Tout simplement en venant faire un petit point à la française, si on veut, dans le centre. Moi, je vais les laisser comme ça parce que je trouve qu'elles sont trop trop belles comme ça. Allez, je fais les autres et je vous montre ça. Et voilà, nos roses trémières terminées. Vraiment, c'est superbe. Ça fait vraiment l'effet d'avoir les roses trémières. Et alors, vous voyez, j'ai joué avec les couleurs. J'ai mis du blanc, j'ai mis du jaune. Et si je vous approche un tout petit peu plus, regardez, hop. Ici, dans le cœur des roses trémières, c'est ce que je vous disais juste avant. J'ai fait un nœud français, mais vraiment léger, en faisant juste deux tours de mon aiguille dans le centre, avec une couleur différente, histoire de vraiment donner le contraste et donner cette profondeur de la rose trémière. Ici, avec le rouge, c'est bien parce que ça donne vraiment l'impression d'avoir du noir au fond. Ça fonce. Mais dans le blanc, voilà, ça donne vraiment cet effet. Alors, vous pouvez le faire sur le jaune, sur le rouge. Vous pouvez ajouter, par exemple, du blanc dans le rouge, du orange dans le jaune ou un peu de mauve. Voilà, mais c'est super. On a nos feuilles. Ici, on a nos petites feuilles, ça et là. Et enfin, on a nos boutons qui sont dans le haut. Voilà, ça c'est une rose très bien. Alors, maintenant, on va faire nos petites abeilles. Tout simplement, bah, c'est des rayures jaunes et noires. Et on va y aller vraiment encore une fois avec notre cœur. Donc, hop, ici les abeilles. Hop. Je vais vous montrer ce que c'est, je vais bien ajuster l'appareil et on va faire une abeille ensemble. Pour nos petites abeilles, on va prendre bien sûr du jaune et du gris très foncé ou du noir. Et on va faire des rayures sur le tout petit peu de ventre d'abeille qu'on a. On va commencer par le noir parce que c'est ce qui va être le plus facile à placer. Alors, tout dépend où vous voulez placer la petite tête. Bien sûr, on peut placer la petite tête ici. Donc, tout simplement, on va faire un petit remplissage. On va faire un premier remplissage en essayant de faire une toute petite tête arrondie. Donc plus on va réduire notre petite rayure et plus on aura le petit bout de tête arrondi. Voilà, donc là on a notre petit bout de tête. On vient faire un petit peu plus loin une première rayure. Et on va pour ça, en deux brins donc, tirer, hop, deux petits traits en broderie. Et on vient en tirer un dernier sur le petit derrière. Encore en deux fois. Voilà. On va placer tout de suite les ailes, puisque ça va être avec le même fil noir. Et là, vous voyez, on a normalement une boucle comme ça et une boucle comme ça pour faire les petites ailes. Tout simplement, au-dessus de la rayure noire, vous venez piquer. Et c'est encore une fois le point de bouclette, mais on va bien l'espacer cette fois-ci. Donc on vient repiquer dans la base, on garde notre bouclette, on vient piquer un peu plus haut à l'intérieur de notre bouclette. Hop, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire délicatement. Et là, hop, on a notre bouclette comme ça. On ne tire pas plus parce qu'on ne veut pas la resserrer. Et là, on vient piquer derrière pour la maintenir. Et voilà, on a une première bouclette. On fait la même chose en repassant dans le trou juste à côté. Hop, on vient repiquer. On a une bouclette, une boucle qu'on maintient. Avec notre aiguille, on vient à nouveau piquer à côté, au centre de la boucle. Et on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, sans trop resserrer ici. Hop. Et on vient
cliquer au-dessus et on a nos petites ailes, tout simplement. Voilà. Donc, si vous voulez pas enlever le noir, hop, vous la mettez en attente et vous prenez une autre aiguille avec du jaune. Encore une fois, en deux brins. Vous pouvez faire deux rayures noires, vous pouvez en faire qu'une seule, vous pouvez en faire plus, allez-y, hein, je veux dire, on voit de tout. On voit de tout dans la nature. Elles ne sont pas toutes rayées de la même façon. Et avec le jaune, on va venir remplir l'espace entre les rayures noires. Alors, on commence ici. Comme c'est tout petit, c'est pas évident. Voilà. On n'hésite pas à repasser pour faire du relief. Voilà. Un dernier petit coup. Et normalement, on est bon. Et voilà, on a une première abeille. Si on descend, hop, un petit peu. C'est tout mignon. Donc, il nous reste une abeille ici à faire et une abeille ici à faire sur le même principe que celle-ci. Allez, c'est parti. Et on se montre ça. Sans oublier que, si on regarde bien dans notre dessin, normalement, on doit avoir une abeille ici aussi. Allez, on fait tout ça et on se montre ça après. Et voilà, enfin, on a fini les roses trémières, les abeilles. Alors, on va grossir un petit peu tout ça. Nos petites abeilles sont toutes mignonnes. Et on a aussi, alors, l'abeille ici. Attendez, je vous montre ça. Un petit peu plus en gros plan. Et voilà. Quand même, c'est chouette. Hein. On peut rajouter tout ce qu'on veut. On peut mettre les couleurs qu'on veut. C'est quand même le plaisir de la broderie. Voilà. Maintenant, dernière étape. Phew ! On y arrive. On va faire tout plein de fleurs ici dans l'herbe qui va aller des roses trémières au lupin. On va faire plein de petits boutons, de petites fleurs dans ce style. Tout plein de petits boutons comme ça. Donc si on... Hop, je fais un gros plan. Vous voyez, on a des nœuds encore une fois à la française. On peut faire aussi des petites étoiles comme ça, toutes simples, pour faire des fleurs de prairie. Allez, c'est parti, je vous montre ça. On prend toutes les couleurs qu'on veut. On peut s'amuser avec les couleurs. Et on peut se faire une prairie rien qu'à nous. Allez, en trois brins ou en deux brins, peu importe. Vous venez piquer dans l'herbe. Et on fait à nouveau ces petits tours. Une, deux, trois, hop. On pique, on tire, et on a notre petite fleur. On en fait comme ça, plusieurs, plus ou moins hautes dans l'herbe.
on change de couleur, on peut faire des touches de couleur toutes mises d'un bord, on peut s'en aller vers le plus clair, on peut mixer, on est totalement libre de faire ce qu'on veut. C'est notre prairie, c'est nos fleurs et on s'amuse comme on veut. Voilà, on fait ça tout le long en changeant de couleur et en s'amusant bien sûr. Et après, on se montre le résultat. Ça y est, on a terminé la page centrale. C'est super chouette. On a nos digitales, nos lupins, toute notre petite prairie de fleurs et on a nos roses trémières magnifiques avec nos petites abeilles qui butinent. On fait un gros plan. Allez, on regarde tout ça, tout ce qu'on a accompli. C'est génial. Alors vous voyez, j'ai mixé un petit peu les couleurs. Et puis il ne faut pas hésiter à dépasser un petit peu de l'herbe. Il faut sortir du cadre, hein, c'est pas un problème. On a nos roses trémières. Petites abeilles qui butinent. Voilà. Et la petite demoiselle qui est cachée là-haut toute seule. Et maintenant qu'on a fait tout ça, eh bien il faut aller lui prendre son bain pour faire fondre le film stabilisateur. On va enlever le fil qui maintenait tout autour et on va aller plonger notre ouvrage dans de l'eau. Donc c'est parti, on plonge dans l'eau. C'est ce qui fait le plus peur parce qu'on a peur que nos petits fils s'en aillent. Mais il ne faut vraiment pas avoir peur. Alors, c'est un petit bain d'eau douce, tiède, pas trop chaude, pas trop froide non plus. Hein, faut que ça aide à fondre. Et là, on plonge ça. Et vous voyez, c'est en train de devenir tout poisseux. Et c'est en train de fondre. Donc, on attend que ça fonde. Voilà, on lui fait prendre son petit bain. Une fois qu'on l'a sorti du bain, on l'enroule dans une serviette pour l'essorer et on le laisse sécher à plat. Et on revient pour terminer la couture de tout ce petit truc. Alors, on va passer à la partie montage de notre livre. C'est ce qui est le plus excitant puisque c'est ce qui va amener à la fin du projet et avoir notre projet terminé. Donc, après avoir lavé, laissé sécher et repassé nos parties intérieures et extérieures du livre, on les prépare, on les met de côté et on rassemble tout le matériel nécessaire. Tout d'abord, de la feutrine qui va servir à insérer nos aiguilles. Donc on va couper des petits morceaux de chaque côté, un ici pour pouvoir mettre nos aiguilles. Ce qui est sympa, c'est de prendre la feutrine assortie à nos couleurs choisies de fil. On va prendre aussi un lien. Alors ça peut être un ruban, ça peut être ici un cordon en liberty, mais un lien qui va servir à fermer notre livre. Et enfin, un coupon de tissu. Alors ici, c'est du 20 cm de longueur sur 140 de large. C'est du coupon de tissu en liberty qui va servir à faire notre propre biais pour encadrer notre livre et faire une jolie finition et y insérer notre lien. Ça, ça va venir après. Je vais vous montrer chaque étape. On va faire ça ensemble. Et si vous souhaitez ou non, vous pouvez entrer dedans une fine couche de ouate de rembourrage qui sert habituellement à faire du patchwork. Ou si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre tout simplement aussi une couche de feutrine. Ça fait une petite épaisseur, mais ça rigidifie suffisamment le livre. C'est ce que je vais faire. Je vais insérer moi une partie en feutrine. Donc, je vais vous montrer ça aussi dans les étapes pour rigidifier un peu plus mon livre. Mais entre nous, hein, si vous n'en avez pas, c'est pas très grave, puisque si vous prenez vos deux coupons en lin, vous voyez que c'est déjà assez rigide. Donc il n'y a pas de souci, vous n'êtes même pas obligé d'en mettre. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer tout d'abord par redéfinir nos parties, c'est-à-dire qu'on va les ajuster. On va bien calculer le milieu de notre dessin et on va bien les ajuster pour faire
une belle finition, une belle coupure, parce que si vous voyez le lin, ça bouge un petit peu. Vous voyez que j'ai pas tout à fait la même dimension ici, donc je vais bien les redécouper et on va faire ça ensemble. Pour ajuster notre petit livre à aiguilles, on va décider de bien recouper le tour. Vous voyez que ça s'effiloche un petit peu. Si on a une machine à coudre à la maison, c'est bien aussi de surfiler un petit peu à la fin pour que finalement ça ne parte pas une fois tout cousu. Donc c'est ce que je vais faire après. Mais en attendant, on va déjà couper. Alors moi j'ai gardé, vous voyez, 2 cm ici. Je vais garder 2 cm de ce bord-là. Donc je me base par rapport à mon dessin. Je fais mes 2 cm. Hop. C'est-à-dire à peu près ici. J'essaye d'être bien calée par rapport à mon dessin. Hop. Voilà. Et on va couper cette partie. Et on ajuste un petit peu. De toute façon, après, si on a la possibilité de le surfiler ou le surpiquer, c'est pas mal, puisque comme ça, ça évite de toute façon que le tissu s'effiloche. On continue, on ajuste. Je vais garder un 2 cm vers les hauts, donc pas grand chose à ajuster. Et je vais garder un 2 cm, 2-3 cm, même, je vais peut-être même garder un peu plus que les racines de l'arbre descendent. Je vais garder 2 cm à partir des racines, donc à peu près ici. Voilà. On fait pareil avec le haut. Donc c'est vraiment juste, juste. Et voilà, on part avec quelque chose de bien propre. Ça va être facile pour y mettre notre biais à la fin. On fait pareil avec la deuxième partie. On essaye d'avoir les mêmes dimensions. On se cale sur le dessin en partant de l'herbe. Et on découpe aux mêmes dimensions. Une fois que c'est bien redécoupé, personnellement, j'arrive à une dimension de 24 cm dans ce sens et de 18 cm dans celui-ci. Voilà, 18, 24. Et vous voyez que ça s'ajuste super bien. Voilà, notre page de couverture et notre intérieur, comme ça. Voilà. Donc, on va surpiquer ou surfiler le tour. Et ensuite, on fait ensemble l'intérieur pour mettre nos aiguilles. Alors, une fois surfilé ou surpiqué, donc moi j'ai fait simplement une surpiqûre, voilà, tout le tour, eh bien on va venir couper notre feutrine pour mettre nos aiguilles. Alors, tout simplement, vous allez plier endroit sur endroit l'intérieur de votre livre. Et vous allez bien marquer, comme ça, simplement au doigt, la pliure du centre. Ça va vous donner le repère pour la limite où mettre vos petits carrés en feutrine. Si vous avez peur de perdre votre limite, vous mettez simplement une pince, ça vous donne le repère. Tout simplement, ici vous avez l'intérieur de votre livre qui est plié et ici on va découper des petits morceaux de feutrine qui vont être cousus à la main ici, pour mettre nos aiguilles. Alors, il suffit de choisir la dimension que vous voulez. Vous pouvez mettre un petit carré, vous pouvez mettre un rond, vous pouvez mettre aussi un grand rectangle, vous pouvez le découper au ciseau tout simplement bien droit et venir le coudre
comme je vais le faire, ou alors vous pouvez aussi le cranter et puis faire juste un petit point sur le tour. Donc ici je vais choisir mes dimensions, donc par rapport à ma limite et à mes fleurs, donc ça fait à peu près un carré de carré de 4 cm, petite dimension de 4 cm. Si on le fait sur 4 cm sur 6 cm, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, alors on va couper nos petits carrés de feutrine en fonction de ce qu'on veut et on va les coudre ensemble. J'ai donc découpé mes rectangles plutôt de feutrine de 4 cm sur 6 cm. Et je vais les coudre ici, comme ça, au point de feston, tout autour, à la main, avec le fil qui a servi à broder, pour rester dans les mêmes tons. On va venir faire un point de feston tout autour de ce rectangle, et un autre point de feston tout autour de celui-ci. Et là, on aura nos emplacements à aiguilles qui seront fixés. Je vous montre comment on fait pour les coudre au point de feston. J'ai donc bien épinglé ma feutrine pour pas qu'elle bouge, évidemment. Et alors, avec le fil, j'ai fait un nœud. Je viens à l'arrière, piquer dans le coin de ma feutrine pour faire sortir mon fil. Et le point de feston, c'est tout simple. Je vais vous montrer ça comme ça. Vous venez piquer à l'arrière de la feutrine en prenant bien le lin et vous venez passer le fil autour. Il faut que l'aiguille passe dans la boucle. Vous tirez et vous avez votre petit coin. Ensuite, vous continuez comme ça en faisant des points réguliers, en passant bien le fil dans la boucle. Vous tirez tout le tour, comme ça vous avez votre point de feston, qu'on appelle aussi le point de couverture en anglais, parce que ça fait des belles finitions sur les bords. Donc vous pouvez faire un point plus ou moins serré, vous pouvez faire un point plus ou moins lâche, mais voilà ce que ça vous donne. Donc il suffit de faire tout le tour comme ça. Allez, on fait ça et on se montre ça après. Alors voilà ce que ça donne quand c'est terminé. Cousu au point de feston à la main, pas besoin d'être parfait, c'est justement ça le plaisir du fait main. Et on fait la même chose avec l'autre côté. À nouveau, on vient piquer le fil et là en surface on revient piquer, on passe l'aiguille dans la boucle ou la boucle au-dessus de l'aiguille. On tire et on piège la boucle. Tout simplement. Et voilà, encore une fois, on fait un point régulier et on vient tout le tour entourer notre feutrine du point de feston. Ça y est, une fois que nos petits rectangles pour les aiguilles sont cousus, je vous approche ça, voilà, tout simplement, on va mettre en place notre livre à aiguilles. J'ai choisi de mettre de la feutrine, comme ceci, à l'intérieur, puisque je trouve que c'est quand même souple, mais rigide aussi, ça va rigidifier notre petit livre. Mais vous pouvez tout aussi bien mettre de la ouate de rembourrage dans le style du patchwork, comme ceci. Vous voyez, elle est fine, ça peut très bien aller. Le seul inconvénient, c'est qu'elle bouge un petit peu à l'intérieur. Donc, il faudrait, si vous mettez de la ouate comme ceci, faire peut-être des petites piqûres pour maintenir. C'est comme en patchwork, c'est la même méthode. C'est pour ça que la feutrine, ça ne bouge pas. Et ça, c'est idéal. Donc, je viens placer ma couverture de livre
sur l'envers. Je viens mettre ma feutrine à l'intérieur. Et enfin, j'y dépose l'intérieur de mon livre. Voilà, on a quand même une belle trame pour notre livre. Voilà ce que ça va donner. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir épingler tout autour pour maintenir. Et on va piquer à la machine un petit point tout autour, vraiment au bord, pour que ça maintienne bien. Parce que si on veut mettre ensuite notre tissu comme en biais autour, si ça bouge, ça ne va pas être pratique du tout. Donc il vaut mieux d'abord le piquer à la machine. Et pour ce faire, c'est mieux d'épingler tout autour, comme ça, pour un bon maintien. Et ça nous donne déjà le corps de notre livre. Donc on va faire ça, je vais piquer à la machine. Et je vous reviens pour vous montrer comment on va faire pour mettre le biais. Avant de faire la piqûre tout autour à la machine, c'est pas mal d'y mettre d'abord le lien. Donc un lien ou un ruban de 30 cm de longueur que vous allez venir placer ici au centre. Il ne faut pas avoir peur de bien le rentrer, rentrez-le sur un bon centimètre et demi, comme ça vous êtes sûr qu'il va bien tenir. Vous venez le fixer de chaque côté. Comme ça, il sera bien, bien tenu dans la couture. On est sûr que ça va tenir. On vérifie que nos liens soient bien face à face. Et c'est parti pour la couture du tour à la machine. Et voilà, donc j'ai fait la piqûre tout autour à la machine pour bien maintenir les trois épaisseurs ensemble. La couverture, la feutrine à l'intérieur et l'intérieur en broderie. Et on a notre petit livre qui est presque prêt. Si vous regardez bien, on le ferme. On a nos petits liens ici. Voilà, il ne reste plus qu'à faire le tour pour une jolie finition. Et ce sera fait. Donc, pour la finition, j'ai un coupon en Liberty qui est raccord avec mes liens. Et en fait, il suffit de faire notre propre biais. Pour ça, on va déjà calculer tout le tour de notre pochette. Donc, si votre pochette est plus grande, allez-y en calculant tout le tour de votre pochette. Si la pochette est plus petite, eh bien, vous pouvez ajuster. Ou... Voilà, c'est ça qui est bien. Vous prenez vos dimensions. Donc vous faites la mesure ici et vous reportez cette dimension, tous les côtés calculés ensemble pour avoir la taille de votre biais. Et vous rajoutez facilement 2 cm pour pouvoir avoir la couture de fin. Donc c'est parti, moi je vais calculer ça, je vous mets les dimensions ensuite ici sous la vidéo et je vous montre comment je fais mon propre biais. Donc concernant les dimensions, ma pochette fait 18 cm de long et 24 cm en largeur comme ça. Donc je calcule 18 plus 24 plus 18 plus 24 et j'ajoute 2 cm et j'arrive à 86 cm. Donc j'ai découpé une bande de tissu de 86 cm de longueur et de 5 cm de large. Puisque je veux venir créer un biais tout autour, mais attention, ici j'ai pas une grande marge, j'ai une marge que de 1 cm. Donc pour faire mon biais, je vais prendre ma bande de tissu et je vais replier au fer, hop, envers sur envers, comme ça, ma bande de tissu. Je vais bien marquer au fer, ce qui va me donner le centre. Et ensuite, je viens replier les extrémités vers le centre pour créer mon biais. Voilà ce que ça donne pour votre biais. Voilà, vous avez votre biais qui a été créé de cette façon, c'est tout simple.
et maintenant il va falloir le poser tout autour. Alors pour poser le biais, on va déjà mettre la couverture extérieure du livre face à nous et vous allez venir nouer les liens pour être sûr qu'ils ne vous gênent pas pendant la couture du biais, puisqu'on va coudre le biais à la main. Alors, une fois que ça c'est fait, on va venir retourner notre livre et on va positionner le biais en commençant par le coin ici en bas à droite avec l'intérieur du livre face à nous. Vous allez poser votre biais en le faisant dépasser légèrement. Ça, on l'ajustera après. Et vous allez tout simplement enfermer votre livre dans le biais comme ça. Et vous allez poser plein de petites pinces pour bien le maintenir. Voilà. Coin, je vais vous montrer comment faire. Hop, on met un peu de zoom. Pour le coin, il va falloir venir faire une petite pliure en coin. Tout d'abord de ce côté-ci. Donc là, vous voyez, petite pliure en coin. Je vais mettre face à moi quand même, c'est plus facile. Vous étirez votre biais. On va rajouter une petite pince pour que ça tienne bien. Et on vient plier ici pour faire un coin comme ça, tout simplement. Je vais poser une pince pour le maintenir et je continue à poser le biais tout autour. Je retourne pour ajuster l'angle derrière pour avoir l'angle de même coin. Et je continue. Donc quand vous avez fait tout le tour, que vous avez tout épinglé, vous arrivez à la fin. Ici, vous avez votre petit bout qui dépasse, vous venez l'ajuster légèrement, vous laissez un demi-centimètre de marge pour bien le mettre dans le biais. Il sera plié de toute façon. Donc, vous venez bien terminer de mettre le biais tout autour. Et enfin, vous créez votre petit coin. Donc, vous venez l'ajuster un tout petit peu aussi en laissant un petit centimètre. Hop, comme ça. Voilà. Posé hors caméra, puisque c'était un petit peu compliqué pour plier le coin avec la caméra. Donc, voilà ce que ça donne. Votre livre qui est tout entouré et vous voyez ici notre début, notre fin de pose de biais. Voilà, vous avez vos coins comme ça. Donc c'est le moment encore de l'ajuster, c'est-à-dire vous vérifiez que vous avez bien englobé les coutures du bord. Il ne faut pas qu'on voit votre piqûre d'en dessous. Vous vérifiez des deux bords. Voilà. Et tout en gardant toutes les épingles posées avec un fil dans les mêmes tons que votre biais et votre lin, vous allez venir faire une couture invisible en piquant dans le lin et dans
l'intérieur ici du biais pour pouvoir faire une jolie finition en posant le biais. On va le poser tout d'abord sur l'extérieur et ensuite on va poser cette couture, venir faire cette couture vers l'intérieur. Pour faire une couture invisible, vous allez venir faire un nœud avec votre fil, donc du fil, tout simplement du fil à coudre et votre aiguille. Vous venez avec l'aiguille piquer dans le lin, donc je vais vous montrer, piquer tout d'abord dans le lin et vous faites ressortir votre aiguille à l'intérieur dans la pliure du biais. Vous serrez bien et vous avez une couture invisible. Encore. Assurez-vous d'avoir des points assez réguliers. Et surtout, surtout, vous gardez bien vos pinces en place tant que tout n'est pas cousu. Puisqu'il faut faire l'intérieur, l'extérieur de cette méthode. Donc c'est un petit peu long. Mais c'est ce qui fait que ça va être vraiment joli, une jolie finition. Je vous montre encore. Donc je viens piquer dans le lin. Je ressors mon aiguille dans le biais, juste à la pliure. Vous voyez, juste à la pliure ici. Je tire. Et hop, j'ai une couture invisible. Voilà, donc je fais tout ça parce que c'est très long et je ne peux pas rester en équilibre comme ça. Et en fait, après, on a notre pochette qui est terminée. Donc, je vous montre la pochette terminée ensuite. Bon, et bien ça y est, c'est terminé. La pochette est terminée. Alors, on a posé le biais tout autour au point invisible. On a plié. Et on a fait notre petit nœud. Allez, on ouvre ça ensemble. C'est trop trop joli. Petite pochette toute brodée à la main. On ouvre ça ensemble. Tellement joli, c'est vraiment le petit jardin. Oh, je vous montre un détail. C'est vraiment le petit jardin anglais. J'aime beaucoup. Et nos petites aiguilles qui sont dans la pochette. Voilà. C'était un chouette projet. Et j'espère qu'il vous aura plu. Bon, bah maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la pochette pour le tape à mesurer, les ciseaux, une petite pochette pour nos fils et surtout un sac pour ranger tout ça. Donc, si ça vous a plu, eh bien, j'espère que vous me suivrez pour les prochaines aventures. En tous les cas, merci beaucoup, beaucoup d'avoir fait confiance pour ce projet, d'avoir suivi tout et puis peut-être de réaliser les vôtres. En tous les cas, si vous réalisez vos pochettes à aiguilles sur ce principe, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, ça me fera vraiment plaisir de voir ce que vous avez fait et de voir vos réalisations, vos choix de couleurs, vos types de tissus, etc. Voilà, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Et je vous dis à bientôt peut-être pour un autre projet. En tous les cas, pour la suite, au moins pour le sac, pour ranger tout ça. Et par la suite, la pochette à ciseaux, etc.